practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tome Psycho never stops. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Je vous ai manqué un peu ou pas du tout? Vous avez le droit de dire non, je vous en voudrais pas. Oh, faut que je vous montre un truc avant. Oh les gars, faut que je vous montre un truc. L'autre jour, les épisodes de carrière sont sortis et déjà je vous remercie à tous parce que vraiment vous kiffez. Voilà, vous kiffez le mode carrière, ça fait plaisir parce que je kiffe énormément le faire. Donc du coup, c'est plutôt très cool. Le problème qui est arrivé, c'est que j'ai reçu ça. Hello Tom, tu vas bien? Dis, dans ton épopée joueur carrière, remets la difficulté en pro. Car depuis que t'as changé, c'est plus dur et moins amusant à regarder, je trouve. Sinon, prends soin de toi et de ta petite famille. Alors la fin, elle est sympa. Mais le problème de ce message, il a clairement dit que j'étais nul, non? Mais les gars, ou alors? Et c'est pas gentil. J'ai rigolé quand j'ai vu ce message, j'ai dit ah oui. Oui bon bah ouais bah je suis pas très fort quoi. Après voilà. Non du coup les gars, pour répondre justement, parce que beaucoup de gens me demandaient aussi par rapport à la difficulté, je préfère laisser une difficulté haute parce que moi je prends plus de plaisir que ce soit compliqué, qu'on n'arrive pas forcément à faire tous nos objectifs facilement. Je vous rappelle que nos objectifs c'est d'être meilleur buteur dans chaque grand championnat européen et champion et meilleur buteur. Tu vois. Donc du coup, si on y arrive à chaque fois et voilà, on fait une saison, on le fait et on change, c'est chiant quoi. Tu vois. Donc du coup, je préfère moi galérer et avoir des difficultés à remplir mes objectifs. Alors oui, moins amusant parce que bah y a moins de buts, etc. Ça, je comprends. Mais bon, après, voilà, c'est pas bien grave, j'imagine. Et voilà, nous, moi, je vais continuer comme ça. Donc voilà, j'ai eu aussi beaucoup de gens qui étaient déçus que je sois parti de Bordeaux. Ah désolé les gars, faut pas vous mentir, c'est mal terminé avec Bordeaux. Mais bon, voilà, hein, tu sais, au bout d'un moment. Les amours, ça va, ça vient, ça repart quoi. Nous sommes à Leipzig maintenant, vous le savez. On va retrouver ce petit mode carrière et je vous mens pas. Pendant les vacances, j'avais tellement envie d'aller jouer, c'est trop cool. Mais on va faire un petit point. Nous sommes 12e, toujours à 2 points du Bayern Munich. Donc on n'a pas le droit vraiment à l'erreur. Hein. Vraiment, on n'a pas le droit de faire d'erreur ici. Et si on veut être champion, c'est important. Après, de toute façon. Dans la logique, je pense, hormis sous un coup de Bayern nous approche, pourquoi pas, mais je pense qu'on restera au RB Leipzig pour la simple et bonne raison que de toute façon, on va pas faire meilleur buteur. Il y a 25 buts pour Osimhen ici. Nous, on est loin. Hein. Je sais même pas si on est dans le top, je pense pas en vrai. On a vraiment pas marqué beaucoup de buts vu qu'on est arrivé en milieu de saison. Et puis, on est dans le top ou même pas? Non, on a même pas 10 buts, hein, clairement. Hein, je crois pas. Donc du coup, on sera pas meilleur buteur. Champion peut-être. Donc un des objectifs peut-être, mais on sera pas meilleur buteur. Donc du coup, de toute façon, on va sûrement rester encore une fois à Leipzig. Mais on veut bien finir la saison. Et on veut augmenter aussi notre pro. Hein. C'est vraiment important qu'on puisse augmenter un peu le général de notre pro. Parce qu'il nous manque pas mal de choses. Hein. On est pas très bon. Hop, on a récupéré ça. Ah ouais. Voilà, les applications de téléphone, ben ouais, j'ai perdu 3000. Ouais, mais je le sentais que c'était pas terrible, quoi. Je sentais que c'était pas terrible. Ouais, il fallait pas. On a une décision. Demander une augmentation, je peux toujours pas, parce que j'ai pas 84 de général. Du coup, on va aller voir aussi ça. Est-ce que j'ai des entraînements? J'ai pas d'entraînement. On va aller vite fait voir juste au niveau de la progression du joueur. Qu'est-ce qu'on peut débloquer, quoi? Parce que bon, alors j'ai lu un commentaire qui me disait « Frérot, enlève tout ce qui est passe, parce qu'au final on s'en fout, et mets tout dans la vitesse et frappe pour augmenter ton général. » Alors, le problème que si on fait ça, c'est que bah, on accepte totalement d'être nul en passe. Après, bon, ça peut être une possibilité. C'est vrai qu'on a, on a un peu envie d'augmenter nos précisions coups francs pour pouvoir tirer les coups francs. Ça, c'est un truc important. J'y ai pensé l'autre jour. Mais j'aimerais bien augmenter la précision coup franc. Parce que j'aimerais bien pouvoir les tirer, en fait, tu vois, les coups francs. Déjà, là, tu vois, on a mis des points ici pour les coups francs. Ça peut être cool. Précision tête, on s'en fout. Finition, on a déjà 96, donc ça va. Ce qui nous manquerait, serait peut-être les tirs de loin. Ça peut être sympa. Le 5 étoiles mauvais pied peut être très, très bon. Donc, on va le remettre. Ici, c'est les volets. Les volets, pas tellement. On s'en fout un peu. Ça, on a déjà. Il nous manquerait un point ici en puissance. Voilà, peut-être ici. Puissance de tir, tir de loin. Peut-être qu'on va se remettre la finition à fond. On va mettre ici aussi. Tir de loin, j'aime bien ici.
Encore tir de loin. Peut-être. Vas-y, tu sais quoi ? On va faire full tir pour l'instant. Et la vitesse, on est déjà à bloc. Hein. La vitesse, on est vraiment, vraiment pas mal. La vitesse, on est à bloc et les tirs aussi. On a 85 de général. Là, on est passé à 80. Donc, j'ai écouté le commentaire. Parce que je lis. Alors, encore une fois, merci à tous. Hein, dans vos commentaires et tout. Et c'est trop cool. Vous m'aidez beaucoup. Vous me donnez des conseils. Je kiffe de ouf. Donc, merci infiniment. Et donc, du coup, grâce à vous et grâce à vos messages, je sais plus qui, mais il y en a pas mal qui m'ont dit sûrement cette technique-là. On va pouvoir aller dans les activités et demander une augmentation de salaire. Ce qui est plutôt pas mal. Hop. 74 000 euros. On est bon. Et là, on passe à 85 de général. Donc on va voir. On va voir si sans les passes, on est quand même plus à l'aise. On a la vitesse à bloc, on a les dribbles à bloc et on a la frappe à bloc. Donc on va espérer faire du sale. On va jouer le match, les petits potes. On est sur un doublé, normalement, dernier match, il me semble. Et c'est parti, les gars. Pour ce nouveau jeu, je ne changerai pas, si jamais, je ne changerai pas la caméra. Hein, même si c'est peut-être plus simple de jouer avec une caméra où on a l'habitude, je ne changerai pas la caméra et je ne changerai pas la difficulté aussi. On en a avant-dernière difficulté et peut-être même qu'on l'augmentera, peut-être si tout d'un coup on décide que ça devient trop facile. Je pense pas, mais on sait jamais. Allez, Borussia Mönchengladbach. Allez. Alors, atteint un taux de possession de moins 60%, ça dépend pas trop de moi. 10 passes dans le camp adverse, ça c'est vite fait. Ça c'est vite fait et. Ouais, vas-y. Dis pas encore inverse. Allez, c'est parti, les potes. Oh là là, j'ai hâte. Alors, j'ai changé de manette. Enfin, j'ai pas changé. J'ai repris une ancienne manette parce que j'avais un problème avec ma manette. Il y a le joystick qui se bloquait tout seul. Alors, pas physiquement, mais genre, je touchais pas la manette et ça me faisait courir en haut. Oh là là, on est parti. Et là, on est déjà là. On est déjà là, les gars. On est déjà là. Ah, d'accord. Oh, bien défendu, bien défendu. Oh, bien défendu. Tu j'aurais pu faire une passe, hein, en vrai. J'ai pas été sympa. D'ailleurs, on m'a aussi dit arrête de courir un peu partout, essaye de rester un petit peu plus à ton poste parce que sinon tu vas être fatigué trop vite. C'est une possibilité. Hein. Alors, ça, c'est pour les 10 passes dans le camp adverse, hein, je peux vous mentir. Ça fait 2. Non, au niveau des récompenses avant, si vous avez raté, non, on est content, on a eu des réas, c'est ce qu'on voulait. On a eu Bernardo Silva, donc on a eu le meilleur. Donc franchement, on n'est pas à plaindre. Hein. Mais sur la quantité de packs qu'on a ouvert, on n'a pas eu beaucoup de tots non attendus, quoi, c'est clair. Mais c'est dans les tots garantis, quoi, tu vois. C'est quoi cette passe de merde ? Ah, ok. On revient, les gars ! Et de la plus belle des manières ! Ouais, j'ai pris une petite semaine de vacances, mais bon, une semaine et demie. Mais on est là, hein ! Allez là, bam! Dans le drapeau ennemi! Allez, casse-moi ce drapeau là! 1-0! Allez! Bonne frappe hein, là! Allez, ça là, on appelle! Allez, bam, bam! Là, il y a un angle! Ouais, bel angle! Hein. Oh là là! Oh là là! Mais les arrêts sur image! Waouh! eSport, la réalisation! Let's go! Allez! Il faut qu'on refasse des passes. Hein. Faut qu'on refasse des passes. Ah bah, après, meilleur buteur. Ouais, non, faut pas rêver. Il nous reste combien de matchs ? Il nous reste peut-être 10 matchs. 2 buts par match. 20 buts en plus. Non, on sera jamais meilleur buteur. C'est pas possible. Ou alors, faut que je mette en amateur et que je marque 10 buts dans un match pour cheater. Mais non, on fera jamais ça, les gars, je vous le dis. Nous, on veut essayer de faire un truc un petit peu plus réel, quoi. Oh là 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 là, les gars, on est là, hein ? On retiendra au début de l'action, t'as quand même dit c'est quoi cette passe de merde. C'est vrai. Bah je voyais pas le joueur. T'es un gamin en fait, chez le monde de la balle, Christopher. À la base on s'entend bien toi et moi. Moi j'ai envie qu'on soit meilleurs potes dans la vie. J'ai envie qu'après les matchs on ait fait un billard. Tu vois genre... voilà. On est copains. Bien sûr, je te copain. Bon, oh, Christopher, tu m'as mis dans la merde là quand même. Pas terrible cette passe. Voilà, on se rappuie, tu vois, on fait tourner la balle. Tiens, Christopher. Christopher
Oh, on lui a demandé la petite balle LBY là. Ouais, on lui a demandé. Ah, j'ai tenté, hein. Ah, c'est 34 matchs à Mundus. Ah ouais, c'est pas beaucoup de matchs. Putain, du coup, même champion, ça va être compliqué, hein. Après, bon, vu qu'on a commencé à la mi-saison, on va pas être trop être déçu si c'est pas le cas. On serait content de le faire, comme ça on pourra se concentrer l'année prochaine sur être meilleur buteur et la Ligue des Champions. Mais voilà, on n'était pas là au début de saison, donc bon. On pouvait pas tout gérer, quoi. J'essaie de la mettre entre les jambes, j'essaie. Alors, on m'a dit aussi que je demande moins le pressing, donc je vais moins demander, je vais laisser un peu le jeu défendre tout seul. Elle est pas bonne ta passe, Christopher. Non, j'avoue, c'est mon contrôle qui est dégueulasse. Mais tu vois ça, par exemple, les contrôles. Je trouve qu'ils s'emmènent la balle vraiment lentement, quoi. Les infos en gauche, c'est pratique. J'ai pas vu. Je regarderai la prochaine fois, désolé. Non, derrière. Ah, l'orientation du joystick avec cette caméra, des fois, c'est pas facile. Les pubs sur Twitch. Ouais, des pubs sur ma chaîne toutes les heures. C'est aussi grâce à ça qu'on peut gagner notre vie. Hein. Oh, attention. Oh, attention, il y a un copain ? Il n'y a pas de copain. Il y a un copain. Oh, dommage. Oh, dommage. J'ai voulu faire briller Christopher. Mais ma passe est mauvaise. On voit qu'on n'a pas de pont dans les passes. Mais on pourra en mettre un peu. Bah là franchement je vais me concentrer sur Leipzig. Franchement je trouve que c'est un très bon club. Je trouve que la carrière là est plutôt logique. Tu vois, tu commences en Ligue 2 française. Tu fais une énorme saison. Tu te fais recruter par un club qui est pas réputé sur la scène européenne, parce que voilà, mais qui est quand même réputé pour avoir des très très bons jeunes et des très bons joueurs, voilà. Donc franchement plutôt pas mal. Il manque plus qu'une passe dans le camp adverse. Ah non, 15, non, il en manque encore 6. Ok, nice. Donc franchement je trouve plutôt logique ce qui se passe. Le manque de passe se voit, ouais, de ouf. Après bon, nous ce qu'on veut c'est marquer, hein, à l'heure actuelle. Donc voilà, à la base moi je passe pas la balle, hein. Ouf, mais fais-moi courir, hein. Je te dirai rien. Ouais, elle était un peu seule, hein. Oh non, j'étais pas en jeu. Fallait laisser l'action et mettre la barre. Hein. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura ça, c'est pour être rigolo. Je sais pas comment le mettre en place en vrai, tu vois. Mais qu'il laisse jouer les actions jusqu'à la fin, puis qu'il revienne à la barre, je trouverais ça quand même assez sympa. Non. Ouais, j'ai voulu accélérer entre les deux, mais c'était pas la meilleure solution. Oh, je le gêne. Je l'ai gêné là. Non, faut récupérer, je l'ai gêné. Par contre, ouais, c'est le 1-0, j'aime pas trop dans FIFA, surtout la fin, quoi. Les passes sont hyper importantes pour un but psycho. Ouais, alors bon, moi je voulais surtout prendre mon augmentation, je vais pas te mentir. Après, rien ne m'empêche d'en remettre après, hein. Mais là, je voulais prendre mon augmentation de salaire. Tu vois, Nkunku aussi, il est nul en passe. Hein. Voilà. Puis vous, lui dites pas, va prendre des passes. De malade. Tiens. Les gars, je veux pas dire, mais tu vois, ça c'est pour montrer la confiance dans le club, de leur expliquer qu'il y a quand même quelque chose qui se crée et que ensemble on va y arriver, tu vois. On en parle, t'as serpillé sur la tête, les gars. Les gars, c'est pas parce que vous êtes pas de ce monde-là, un petit peu, petite dread et tout, etc., que ça fait pas partie de votre culture musicale et tout, etc., qu'il faut parler de serpillère, tu vois. Tu sais ce que je veux dire? C'est pas gentil, hein. Non mais, respectez les coiffures de chacun. Ce jugement physique à chaque fois là. Ça va, hein. C'est fou.
fou ça. C'est comme imagine. Imagine un joueur, il se teint les cheveux en rose. Et les seuls commentaires qui sont en dessous des photos de ce mec là, c'est il est gay, il est gay, il est gay. Ah, il faut quand même évoluer les potes hein. Bon, ça arrivera pas ça quand même. Et on est là, hein, à la création hein. Ah oui, oui. Ça va s'arriver malheureusement. Bah, la tristesse hein. Retour d'Europe l'année pro. Ouais, mais pas forcément 0 euros, mais oui, 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 je pense que... Je pense, oui, je pense. En tout cas, on commencera, on verra l'aventure de ce nouveau jeu. Après, ça va pas changer grand-chose en vrai, hein. Donc voilà. Au top les vacances, beaucoup, merci. Ah, et Tom Psycho, il... C'est un mec qui kiffe bien le reggae, tu vois, et à début de match et tout, il écoute un peu ça pour se détendre, pour se focus. Ça lui va plutôt bien. Et puis elle est belle la coupe. Elle est stylée sur le terrain, son maillot noir et tout. Après le maillot blanc est plus beau, mais le maillot noir il est quand même stylé aussi. Alors bon, je vais vous décevoir les gars, mais j'ai pas commandé le maillot de Bordeaux. Alors j'ai dit non... Les gars, je sais pas combien d'euros là pour un maillot au final. Où je savais pertinemment que j'allais pas rester forcément super longtemps dans le club. J'ai dit bon, la blague est un petit peu trop chère. Ouh. Tu penses quoi des équipes mixtes à des pros? Ce sont pas des équipes tout ça? Alors écoute, moi je sais pas si l'info est véridique ou pas. En vrai, déséquilibre ou pas, le jeu est déjà pas équilibré, donc de toute façon... Au moins, en fait, le fait de créer les équipes mixtes, c'est annoncer ouvertement, bah oui, on n'est pas en jeu de foot, on est un jeu fun, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Viens ici. Frappe de l'aigle. Très bien. Double contact, frappe. Ouh là là, dommage, dommage, dommage. Ah, mais j'ai pas ma note de 9, putain, faut que je marque encore. Je sais même pas si j'ai fait les passes, attendez. Excuse-moi, quand même que je me focus. C'est bon, j'ai les passes, mais il faut ma note de 9. J'aurais peut-être pas dû demander la balle, j'avoue. Bon, moi j'aurais pas ma note, c'est bien. Tant pis. Heureusement qu'on a marqué, hein. Heureusement qu'on a marqué, hein. FC ou autre chose psycho. Bah y'aura rien de toute façon là qui va sortir dans les prochains. Enfin tu vois les autres jeux c'est pas cette année, ça va l'année prochaine. En vrai on verra mais... Oh, je suis tellement plus dans ce débat. En vrai je vous mens pas hein, les gars, moi je suis vraiment plus voilà. Il paraît qu'il y aura de la concu. Voilà, le problème les gars c'est comme d'hab, c'est toujours pareil, concu et concu quoi, tu vois, les gens vont jouer au jeu, il y aura le plus de monde, il y aura le plus de monde, ce sera EFC parce que ben ça reste FIFA, ça restera FIFA. Et franchement, tu auras déjà la promo qu'ils font, tous les youtubeurs et tout qui en parlent, tu vois ce que je veux dire, ils parlent que de ça. Les autres jeux, frérot, on va passer des fois un truc, on se dit bon bah voilà, enfin y a rien. Pensant y a rien, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà quoi. Allez, victoire ici. C'est bien. Au niveau des activités, qu'est-ce qu'on a ici? S'équiper d'un bureau moderne. Ouais, non, bah, ouais, mais bon, les gars, au bout d'un moment. Moi, j'aime juste acheter des trucs avec les entraînements. Ah, bonus d'entraînement 10%. Ça, je prends. 75 000. Nickel. Ça, j'aime beaucoup, ça. Faire un don pour les arbres naturels. Bah, ouais, mais après, ça m'entraîne pas plus, quoi. Ça, on va prendre. Entraîneur décevant. Mais pourquoi ils veulent lui gueuler dessus à chaque fois, quoi? Mais ouais, non, 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 on est contents, nous. T'as 85 de gêne. Ouais, on a enlevé tout ce qui était pas, si on a mis tout en tir et en vitesse. Pour notre équipe, c'est ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir. Comment dire? Avoir le plus gros général. Allez, on a fait le petit entraînement. On m'a dit aussi pas faire les entraînements avant les matchs. C'est sympa de t'avoir pu se voir l'autre jour et c'est avec plaisir que je constate que tout va bien avec ton club. Tu as signé un contrat qui te met à l'abri pour plus tard, mais c'est peut-être maintenant qu'il faudra envisager de faire travailler un peu plus ton argent. Le moment est clairement venu d'investir une bonne partie de la somme qui dort sur ton compte bancaire. Ta situation est stable, tu es sous contrat, alors tu as peut-être envie de placements plus risqués, mais aussi plus rémunérateurs. Certes, cela impliquerait de plus gros investissements avec de plus gros risques. Ouais, d'accord, ok, genre tu veux que je lui mette la thune. Oh!
Mais ah oui, il fallait qu'on vérifie ça, les gars. Où c'est que je peux voir si j'ai activé ou pas l'international? Parce que je pense que je l'ai pas, hein. Je vois pas trop comment c'est possible de pas être en équipe nationale là, donc je pense que je l'ai pas activé, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. J'ai pas fait gaffe. J'aurais dû faire gaffe. Bon, on va investir vu qu'il veut que j'investisse. Ah, nouveau, attends, il y a des nouveaux. Investir dans le jeu vidéo. Ah. Ah ouais, mais attends, ouais, mais non, mais j'ai pas assez, les gars. Oh. J'ai mis 200 000, j'ai eu 100 000. Ouais, j'ai vraiment envie d'investir. Hein. Waouh, super. Académie sportive. Ouais, ça, c'est bien, ça. Chaîne de restaurant. Ça, c'est mieux, la bouffe. La bouffe. Malheureusement, je crois qu'on peut pas voir dans les paramètres ici. Hein, les gars. Donc, je crois que malheureusement. Malheureusement, c'est mort. Ok, classement. Le Bayern a gagné encore. Ah non! Attention! Match pour repasser devant le Bayern, les gars. Ils ont fait un faux pas. Si, tu l'as mis, mais tu peux pas être sélectionné par la Suisse. Pourquoi? Bon, on verra bien. Allez. Les gars, c'est pour passer devant, là. Il est important, ce match. Il est très, très important. Allez, on veut de la victoire. On veut vibrer. Note de 9 ou 10, ouais, mais pas possible. 10 pour nous. Ah ouais, cadrer les tirs, vas-y, j'aime bien. Comme ça, on se focus pas sur les passes ou quoi que ce soit, on se focus sur tirer, quoi. Et dehors. Et dehors. Oui. C'est... Oh mon dieu. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on joue à ce jeu. Oh, quel but. Hop. Bam. La reprise de volée là. Oh, l'augmentation des frappes fait plaisir. Et tu vois, quand tu mets ça dans une difficulté un petit peu plus dure, t'es content, tu vois. Oh là, ce qu'on lui a mis. 11 buts en 13 matchs, hein. Quand même, et franchement, on est sérieux, hein. On est sérieux, hein. Ah, et on reprend ce commentaire, hein, là, qui nous disait « Ouais, Psycho, c'est plus dur, c'est moins fun. » Ouais. C'est toi qui es moins fun. Oh là 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 là, les gars. À deux doigts de commander un maillot de la psych, hein. Ah là là, je vous jure. Allez. Oh, c'est bien, les gars. Voilà, j'ai pas touché la balle, mais je suis fier de vous. Ok, ça va, je me suis chauffé, c'est bon. J'ai le droit aussi. Un geste. Ah ouais, le geste, il était incroyable. Bon, après, rien n'enlève les plus hauts buts, c'est les plus grosses phrases. C'est les gros long shots, ils sont incroyables. Mais il est beau, celui-là. Petit contrôle orienté, reprise de volée. L'instinct. Les gars, je me positionne, on l'a travaillé en entraînement, ça. Hein. J'aurais peut-être dû rester. En fait, si personne ne va demander la balle, là, je peux partir. Gulacsi nous a sorti 3 parades là. Il va falloir qu'on se dégage. Hein. Tiens, je vais aller aider. Voilà. Moi je sors la balle tranquille. T'inquiète. Je la perds pas. Je la perds pas. Ouais, Psycho, peut-être baisser la difficulté, parce que... Hey, alors. Magnifique. Et si on devenait meilleur buteur? Non, imagine, on y arrive, ce serait ouf. Non, c'est impossible. Osimhen, il va continuer à marquer. Mais on va aller voir quand même, on va aller voir combien précisément il reste de match après. Crions pas victoire trop vite, hein. Je vous rappelle que là ce match est très important. On le commence bien, mais bon, à tout moment
tout le monde, ça peut basculer. Voilà, tu vois, genre, ce genre de contrôle nul. Allez, Raph. Bien, Raph. Ah, c'est Mathilde, pardon. Ouais, elle est compliquée, celle-là. Yama ? Ouais, qui c'est qui tient les coups francs ? Oh là 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 là, les gars ! Oh, pour la légende ! La légende ? Oh, c'était pas loin ! On est chaud, on est chaud, on est chaud. On va réessayer. Vas-y. Contrôle orienté. Frappe du gauche. Les gars, on tente des choses. Yama, Yama. Oui, oui, Yama. Oui. Ah, non, pardon. Poser la sélection, c'est pas parce que l'équipe n'est plus dans FIFA 23. Oh putain. Elle est plus dans FIFA 23. J'ai même plus fait. Ah, oui, c'est vrai, cette histoire. Ah, bah oui. Bon, bah tant pis. Hein. Voilà. Bon, peut-être qu'on mettra une autre nationalité les prochaines fois, alors, du coup, les gars. Maintenant j'ai le droit éventuellement de me mettre français parce que mon fils étant français aussi un peu, j'ai le droit. Mais ok ouais, pour les prochaines fois, ok, c'est vrai. Ah oui, je suis bête. C'est sûrement ça, tu as raison. On peut changer de nationalité en cours de naturalisé ? Regardez bien. Oh, je suis désolé. Non, je suis désolé. Je suis désolé, mais là, en difficulté haute, leur mettre des trucs pareils, au bout d'un moment, voilà, hein. Clac, clac. Oh là là là, les gars, on sent le foot, hein. 3-0 triplé. Oh, allez, on va chercher le meilleur buteur, on va se focus. Franchement, il y a moyen. Il y a peut-être moyen. Je commence à y croire, les gars. Je commence à y croire. Il va rester 4 matchs. Il va falloir marquer 4 buts par match. Ça va être dur, mais si, franchement, à tout moment, il y a l'espoir. T'as le Klosimé pour le match contre Bayern. Je sais même pas si on doit les jouer. Ce serait ouf. J'ai pas regardé le calendrier. J'irai voir après. Imagine. Imagine, au final, ce sera un match pour le titre, une finale, quoi. Fais bien ton poste. Oh, j'ai de l'équipe aussi, quoi. Oh, Gulacsi, il est là. Ok. On est bien. Au niveau des objectifs, qu'est-ce que ça nous raconte ? Il faut 10 passes encore, Albert, j'avais pas vu. Ok, ça marche. On y va. Je pense quoi du programme Bonne Carrière en Ligne, je sais pas, ça fait 3 ans qu'ils en parlent. Mais en vrai, je vais pas te mentir, et je vais être très aigri, et j'en suis totalement conscient. Tout ce qui est en ligne, en vrai, avec la communauté qu'on a, il n'y a rien à espérer. Tu vois, je te dis une bêtise. Hein. Par exemple, je sais pas, là en mode carrière, le problème c'est que bah, ça va rester du gameplay après. Et le gameplay, bah, s'il y a des trucs cheatés, les gens vont spammer les trucs cheatés pour gagner leur carrière, et puis voilà. Donc, où est le plaisir ? Là, regarde, je compte l'ordi en mode difficile, ou je sais plus, voilà, avant dernière difficulté. Mais je kiffe, tu vois, je fais mon petit truc, je me prends pas la tête. Par contre, tu vois, si je dois perdre contre des mecs, tu vois, qui jouent pas le beau jeu et tout, etc., sur arbitre, je suis désolé, ça c'est carton. Ballon, j'ai pas perdu de ballon, coach ! Pour ça. Oh, les gars, regardez bien. Oh, l'effet, il était dingue, mais bon. Tu peux changer la nationalité dans le menu modification joueur. Je suis pas sûr, Steals. Je pense pas. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça que la Suisse était plus dans FIFA. Putain, c'est grave. Je te jure. Suffit de battre l'équipe de France une fois et hop, on nous enlève du jeu. Quoi. Pas cool. Pour une fois qu'on a une bonne équipe. Regardez. Reviens ton poste. Non, coach. Je me bats pour l'équipe. Et regardez, tout part de là. Hein. Tout part de mon pressing. Regardez bien. Voilà, corner. Oui, les objectifs, c'est juste.
suis désolé. Mais ça, ça démontre que j'en... Christopher. Christopher. Il a tellement un nom, t'as envie de l'insulter. Christopher. Mais tu sais, l'insulter poliment. Dommage. Faut que je fasse mes passes. 65e. N'oublie pas les passes, psycho. N'oublie pas tes passes. Bien joué. Tour la balle. Hein. Ouais, je sais, elle a touché le B, les gars. Non, mais j'aime bien revenir défendre et tout. Ça fait partie de du joueur que j'aime bien. Oh, mais Gorst. Fendanat, c'est plus simple. Oula. Oula, contre-attaque. Deuxième, il y a un mec tout seul. Oh, il lui a pas mise. Oh là là. Les gars, perdez pas la balle si vite. J'arrive même pas à faire mes passes dans le coin adverse. Allez, montez la balle, montez, montez, montez. Donne-lui. Ah, je vais pas faire les passes. Hein. Attention. Dommage. Ah, je crois qu'il m'en manque une, d'après mes calculs. Je crois qu'il manque une passe. Dommage. Mais bon, on prend le ballon du match, les gars. Triplé. Au top. On est bien. Homme du match. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais vraiment. On a mis deux buts de ouf en plus. Hop. Boum. Voilà, il est dingue. Il est dingue. Celui-ci aussi, il est sexy. Bonne prise de vitesse. L'action au début était belle. Alors celui-là, bon. Chiche. Oh là 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 là. Non mais je suis désolé, il faut que je revienne dessus. Tu vois, là je vois que j'ai pas de possibilité. Je peux pas faire la passe là. Trop chaud, je peux pas faire la passe. Frapper, compliqué. Ish. Oh là 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 là. Et incroyable. C'est quoi, si tu finis meilleur buteur, tu m'offres le sub? Attendez. C'est-à-dire que je bosse, je fais des exploits incroyables, et en plus, je dois payer des choses? C'est quoi ce concept? Je vous rappelle qu'à la base, c'est vous qui devez m'offrir des choses, parce que je suis streamer. Allez. Trêve de bêtises. Ouais, on a raté un objectif, mais bon. Et pas grave. On est quand même bien là. Et ça fait plaisir. On est aux activités. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Équipe e-sport encore. On peut le refaire. Vas-y. On le refait. Application de téléphone, vas-y aussi. Et puis voilà, on y va. On y va comme ça. Classement. Les gars, officiellement, on est devant. Et donc, du coup, on va quand même regarder. Hein. Oh, il y a 17 matchs, donc 34, ouais.
Donc 34 matchs, il nous reste exactement 5 matchs à jouer. 5 matchs à jouer. Et du coup, 25 buts à aller chercher pour l'instant. Et nous, on est à 13, 16e. Ça veut dire qu'en gros, en 6 matchs, non, 5 matchs, pardon, il faut qu'on marque 12 buts en 5 matchs. Presque les triplés. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça va être dur, hein. Mais voilà. On sait jamais, hein. On sait jamais, les gars. On va aller voir le... ça va être méga dur, c'est clair. Il suffit d'un match où on foire tout et c'est fini. Mais après, c'est pas... comme je vous l'ai dit, c'est pas grave vu que je pense qu'on va refaire une saison. Vu qu'on va peut-être rejouer la Ligue des Champions, donc on verra quoi. on voulait regarder le calendrier. Pour voir s'il y a une finale éventuelle. Non. On n'affronte plus le Bayern. On a un calendrier, je dirais... À part Leverkusen, pour moi, hein. À part Leverkusen, franchement, c'est jouable. Leverkusen, quoi. Qui joue le titre, hein, Leverkusen aussi. Hein. Il y a le match contre Leverkusen qui va être super important. Les autres aussi. Mais franchement, les gars, il y a un monde où... où ça passe, hein. Allez, on sait ce qu'on doit faire. Après, il faut espérer aussi qu'il marque pas trop notre ami Osimhen. Mais il y a moyen. Il y a un monde où sur cette saison, on réussit notre objectif, comme je vous le rappelle, d'être meilleur buteur de chaque des 4 gros championnats européens et d'être champion des 4 gros championnats européens. Alors après, c'est pas parce qu'on y arrive qu'on doit partir. Si on veut jouer une saison en plus avec des champions, on le fait, tu vois. Mais... il y a un monde. Le calendrier du Bayern, je crois pas qu'on peut le voir. Éviter la défaite du tour nul, victoire. Objectif amélioré, victoire, hein, c'est très bien. Allez, c'est parti, les gars. On se rappelle que on doit marquer. On doit marquer des buts. Donc, il faut pas non plus que ça nous travaille trop. Parce que sinon, on va vraiment faire de la merde. Parce que le plus compliqué reste à aller chercher le titre. Parce qu'être meilleur buteur, je vous rappelle qu'on est une demi-saison. Hein, donc bon, voilà, c'est pas grave si on n'y arrive pas. Il faut vraiment qu'on joue le titre. Donc si je dois faire la passe pour marquer un but, on fera la passe, hein, ça c'est clair. Pour assurer une victoire. Mais là, on n'a pas le droit à l'erreur. En espérant qu'éventuellement le Bayern fasse un faux pas encore. Et que Leverkusen, le match contre nous. Oh là là. Je suis désolé. Non, je suis désolé, je dois frapper. Quand j'élimine un mec comme ça... je suis obligé de le tenter, quoi. C'est bon, je l'ai. Pas grave. Oui, alors après, avec 3 par... on va plus que 25, hein. À 3 par match, hein. On fait 15 buts, ça veut dire qu'on arrive à 28. Hein. Mais on verra les gars. Là, pour l'instant, franchement, pensez juste qu'il faut qu'on gagne. C'est vraiment le plus important. Il faut qu'on gagne ce championnat. Comme ça nous libérera totalement pour la saison prochaine à se focus sur la Ligue des Champions et éventuellement le titre de meilleur buteur du championnat. Oh, j'ai fait un bel appel pourtant, mais je suis un tout petit peu hors jeu. Oh, il est beau. On prend. Non, il est pas beau, hein. Mais il est beau pour le moral. Ça va ouvrir un peu leur défense déjà. Et en plus, la victoire, hein. Que la win, hein. Comme dit notre ami Prime. Voilà, parfait. Superbe.
Bien joué ça. Corner. On va réessayer les gars. On marque maintenant un peu. Ah. Parce que j'avoue que meilleur buteur c'est serait quand même une histoire de folie. C'est bon, tranquille. Allez, faut remettre un deuxième. Pour s'assurer un petit peu plus nos arrières là. Les gars, faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Commencez pas à faire n'importe quoi, je vous en supplie. Allez. Les gars, j'ai besoin de vous là. J'ai besoin de vous. Seul. La main. Ah. Pas loin. J'ai essayé. Enlève-toi! Ah non, mais si même mes coéquipiers ils se mettent en. Ah non, on va pas le faire là. Hors jeu là. Avant la mi-temps. Dommage. Allez, c'est pas grave. C'est pas une bonne première mi-temps. L'essentiel est là. Pour l'instant on gagne. Attends. Non, parce qu'à tout moment je vois ma bouche et puis là sur un centre. Voilà, bien joué. Ok, bon, 1-0 pour le moment. On n'a pas fait grand chose sur cette première mi-temps. Mais voilà, allez, à deuxième, on va se focus. Et on va essayer de faire bien les choses. J'ai cru voir un Bayern Munich qui était tenu en échec pour le moment. En tout cas, ils n'avaient pas marqué eux. C'est peut-être plutôt pas mal. Ils sortent bien sur moi. Ah, ils ont vu mes matchs. Hein. Ils savent. Hein. Ils savent d'où vient le danger, quoi. Allez, prends là. Allez. Oh. C'est dangereux, les gars. Ah ouais, il y a un monde où ils veulent pas que je sois meilleur buteur là. Yama, trop bien pour moi celui-là. Non. Aussi même vient de marquer. Et merde, j'avais pas vu. Ça a mis l'info en vrai. Oui bon là j'abuse un peu. Je vais pas vous mentir. Je suis pressé de marquer, j'ai masse action, je marque pas.
J'arrive bien à maintenir le suspense de ce... Non. Bien joué, belle sortie. Non, le gardien il est fou là. C'est quoi ça? Penalty. C'est mes potes qui me sabotent aussi. Main ? Non ? Dommage. Non ! Ah, faut arrêter ! T'as vu le nombre de ratés qu'on a fait, les gars ? Ça, c'est un monde où le script se met en marche pour pas qu'on gagne et puis qu'ils vont égaliser à la fin. Je vous le dis, hein. S'ils égalisent à la fin, les gars, faudra pas être étonné, hein. Une faute pour arrêter l'action parce que 87e. Non, franchement, je vous dis, s'ils égalisent, c'est vraiment le script de ouf. C'est fini. Ok. Bon, bah écoutez, les gars. Meilleur buteur, on a compris, ça va être compliqué. On va se focus sur gagner le championnat parce que là, vraiment, les actions qu'on a, elles sont folles et on marque pas. Hein. C'est fou. C'est dingue tout ce qu'on a raté. C'est dingue. Aïe. Bayern qui gagne, Leverkusen qui gagne. Ok. On est tous pareils. Ok. Ouais, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, là, cette fin de carrière, je vous le dis. Enfin, cette fin de carrière, cette fin de saison, quoi. Let's go. On va continuer ici. Et alors là, bon. On a un petit match de coupe, ici. Petit match de coupe, du coup, contre Leverkusen, ça va nous permettre un petit peu de voir comment ils jouent. Alors, c'est le match de coupe, donc ça compte autant le classement des buteurs, etc. Ça, on s'en fout un peu. Ce match de coupe, faut gagner. C'est la finale ? Putain, j'avais même pas fait gaffe. Ah, je suis con, j'ai pas fait gaffe. C'est la finale ou pas ? On verra. On va regarder le truc. Attendez, c'est peut-être la finale. Demi-finale ? J'avais pas vu. Bien joué, les gars. Merci. Ça va le mettre dans l'intitulé, je pense, ou dans les visuels. Demi ? Ok, let's go. Demi-finale, exactement, contre le Leverkusen, chez eux. On peut aller peut-être s'offrir un doublé hein, cette saison. On est sur le championnat et sur la coupe encore. Je savais qu'on allait me rattraper, j'ai voulu frapper. Dommage. Voilà, on les laisse pas relancer court parce que on peut vraiment être dangereux sur les récupérations. On s'est fait victimiser là, sur duel arrière. Ah, ils ont Niaki Williams, c'est intéressant. Gros pressing qu'ils ont mis. Hein. Kovacic aussi, putain, ils ont des bons recrutements. Hein. Déby est toujours là. Bien joué, Gaïa.
travaille ton timing. Ouais, bah écoute, je fais ce que je peux, coach. Hein, j'essaie de mettre une pression, hein. Dessus. Non. Non, vous. Je vous rappelle, hein, on recommence pas. On se permet pas de recommencer des matchs charnières ou quoi que ce soit. Ce qui se passe, c'est comme ça. Donc là, si on se fait sortir, on se fait sortir, c'est tout. Peut-être un truc si on la gagne la tête là. Ah, dommage. On se fait dominer hein, pour l'instant. J'avais appuyé. Oh, j'ai le seum. J'avais appuyé pour la passe en profondeur. Quoi ? Ah oh, ouais, mais bon, les gars, oh. J'ai pas regardé l'autre demi-finale, on verra après. Dommage, 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 Timo. Ah, c'est reparti les gardiens tueurs là ? J'ai pas trouvé l'angle pour frapper. J'ai pas vraiment vu de possibilité de passe. Peut-être que t'es mauvais là. T'as la pression hein, cette demi-finale. Hein. Oh, elle était maligne celle-là aussi. Pression, pression, pression. Pression! S'en sortent. Putain, c'est dur, hein. Pas facile, hein. Pas facile, pas facile, là. Une frappe. On a la possession. Ils ont la possession, ils ont fait une frappe. Nous, on n'arrive pas trop, hein. On est pas bon dans ce match, on est pas bon, faut dire ce qu'il y a. Après voilà, il y a 0-0. Mais ouais, c'est une demi-finale. Hein. Deux équipes qui ont envie. Bah, en tout cas, on sent que le match contre eux de championnat va être serré. Hein, parce que vraiment, ils sont pas simples à manœuvrer. Défensivement, ils sont bien en place. Hein. Ils ont le Normand, il fait un gros match. Putain, non. Oh, bien joué. Oh, mon Dieu. En plus, on l'avait vu en pré-shot, les gars. Frimpong qui marquait. En pré-match, ils avaient montré Frimpong marqué. Bon allez, il va falloir revenir. Wow. Ils ont fait rentrer. Ah, ok. Et ils ont vraiment une maîtrise de la sortie de balle incroyable. Hein. Voilà. Werner, en fait, il joue contre nous, Werner.
Allez là. C'est notre coupe. Allez. Très très bien. Alors, on a vu l'action, c'est décalé. C'est pas mis hors jeu. Pas mal celle-là. Tu vois là, on voit que ça va être de ce côté, donc on se décale. Et on la rate pas celle-là. Allez, focus. Bien. Vas-y, vas-y, tu sais quoi, je vais te demander sur le côté. Oh. Non, Christopher, t'es sérieux? Bon, ok, le centre, il est pas ouf. Mais il a le temps. Il a le temps. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Timo, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Toi aussi, fais tout le temps, des vrais supporters. Hein. Vous insultez vos joueurs là. Oh! Ça va les gars, je fais ce que je peux. Par contre, je veux bien des frappes, mais. Il est chaud le gardien. Imagine, vous au pénalty, jamais vécu une séance de pénalty. Non, parlons pas de ça, on va marquer avant. Là c'est mal barre cette action. Vas-y viens, on va fêter là-bas hein. On va là-bas. Oui. Le doublé en finale de coup. En demi-finale. Oh là là, c'est beau. C'est beau. T'as vu la confiance? La célébration, c'est la confiance. Oh là là, yes, let's go. Allez. Allison qui sort. À la 80e, je vous avais dit qu'on allait gagner avant. Allez, on focus maintenant. Si je dois revenir défendre, je m'en fous. Je mets des gros tacs, je reviens. Focus, focus. Ça m'a sorti. Bien joué. Et on les tue. Tempo, tempo, tempo. Putain, quel enculé. 89 mis vers la balle. Tacle-le. J'ai une faute. Non, 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 non. Script, il est tellement violent dans FIFA. Tout part d'une passe qu'il doit jamais perdre. Ah, dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Prolongation. Pour moi, ça donne du suspense. Mais ouais, le script, il est sévère. Il est sévère. Prolongation ou penalty d'ailleurs? Non, prolongation. Non. Pas que je sorte, hein. Ok, Werner. Parfait. On fait confiance à moi.
Quoi? Mais quoi? Il est hors jeu? Oh ouais, bon moi j'ai plus de force, hein. Je peux plus revenir les gars. Là si je dois faire mes derniers efforts, ce sera devant. J'ai mal vu. Oh non. Oh non. Chut. Non, ouais. Le script est féroce. Le script est féroce. Oh non. Ah ouais. Ça c'est bien. Bah ouais. Ah, le script est féroce. La passe c'est jamais là que je la demande. Ouais, le script il est féroce. Bon bah il va falloir faire l'exploit là. Hein. Mais bon, c'est dur. C'est dur parce que tu le sens. Hein. Tu le sens. Sur les deux actions qu'on prend, tu sens le moment. Même où il y a la passe, tu sens qu'il y a. Enfin bref, c'est pas grave. Allez, on peut revenir. Allez, on peut revenir. Bien Martial. Hein. Oh non. Ah non, je suis désolé. Tu vois, des joueurs comme Nkunku qui ratent des trucs pareils, c'est dur. Alors, bon, pas marqué, tu vois, mais au moins cadré, pour montrer que il y aurait la possibilité, non, parce que là, c'est dur. Bon, les gars, malheureusement, on marque le doublé, mais ça suffit pas. On va se faire éliminer de la Coupe d'Allemagne. J'ai voulu sortir sur un gros tacle assassin. Pas réussi. Ah là 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 là. Aïe aïe. Et 120ème. Le script est ahurissant. Et vous vous rendez compte qu'ils nous disent quand même que non, ça n'existe pas. On s'est pris 90, 105, 120. Et on nous dit que ça n'existe pas. Regardez. C'est... Voilà. C'est dur ça. Ça c'est dur, tu vois. Mais c'est pas grave. Franchement, je préfère perdre ce match là que perdre le prochain. En vrai, je préfère mille fois perdre ce match là que perdre le prochain. Donc on va pas en tenir rigueur, c'est pas grave. C'est ça fait chier. Mais encore une fois, c'était pas ce match là qu'on devait gagner. Il y avait 2 à la 90e, c'est exactement ça, ouais, frérot. Aïe, 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 aïe. Défaite en compétition, bah ouais. Évoquez avec votre agent la possibilité d'un transfert, non. Rappelez à tout le monde que le vestiaire que l'équipe se reprend. Au moins, retenez la sans défaite. Rappelez à tout le monde que le vestiaire de l'équipe doit se reprendre. Bah ouais, c'est ça, vas-y, on retient. Tout va bien, les gars. C'est pas grave, ça arrive de perdre des matchs, c'est bon. On l'a déjà acheté un trampoline, soyons tous heureux. Du coup,
on en est là. J'ai pas l'entraînement et de toute façon, c'est ce match-là qui va être intéressant. Et ce match-là, il sera après une petite pause, les gars. À tout de suite.